Et le bonsoir, je fais juste un bref coup de gueule conseil. Enfin, conseil coup de gueule. À propos du botting et de la vente complètement illégale de flux sur Trove. D'ailleurs, c'est pas que sur Trove, hein, c'est sur à peu près tous les jeux Gamigo slash Tryon. Il y a des bots, c'est complètement problématique, mais sur Trove, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Il y a deux solutions. La première, ce serait qu'il y aurait un mec extrêmement riche qui essaierait de shutdown le site en question. Enfin, les sites en question, parce qu'il y en a deux ou trois. Et ça n'arrivera pas. La deuxième méthode, ce serait de faire un truc que je conseille, et que je fais moi-même depuis quelques temps maintenant. C'est de contrer leur méthode de vente. Ce que j'entends par là, c'est que, en fait, la plupart de ces vendeurs de flux, là, ils font leur vente via le marketplace. Donc pour bien les faire chier et pour potentiellement les fermer, ce serait le plus intéressant, ce serait de mettre à peu près chacun d'entre nous, une personne, un objet, tout le monde, que si vous avez quelques places, ah, évidemment si vous avez que deux places ou quoi, vous faites pas chier à faire ça, mais si vous avez plusieurs places comme ça, là, si vous avez toutes les places de tous les slots possibles et que vous avez pas forcément, vous êtes que vous vendez pas trop de choses, mettez une compo jack ou juste une compo tout court à 25 millions ou alors 24 999 999, mais essayez de faire ça parce que souvent ils se font avoir en fait leur site. Ça peut arriver qu'ils achètent aux mauvais clients parce que des fois en fait ce qu'ils font, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans certains trades. Ça peut arriver que par exemple, si votre. Admettons que je mets un glim à 25 millions, comme là je fais. Ça peut arriver que lorsqu'un acheteur de flux illégal achète des flux, et bah on va lui demander de mettre quelque chose en vente à 25 millions par exemple. Et bah s'il y a déjà quelque chose en vente à 25 millions, étant donné que l'hôtel des ventes en général il met quelques minutes à s'actualiser, ça peut arriver qu'il aille jusqu'à 5 minutes, et bah l'objet du mec sera pas forcément là directement, et donc le site, le mec, le bot là, il va détecter votre enchère. Du coup, potentiellement, vous pourrez déjà gagner 25 millions gratuitement. Donc, c'est pas du scam puisque vous scammez un scammer. Voilà, déjà. Et de deux, ça permet de niquer un peu les bots parce qu'ils vont avoir la masse de plaintes, ça va finir par complètement boycott les sites et il y aura plus personne qui finira par acheter. Donc ils vont au bout d'un moment fermer, ils auront plus d'argent pour garder leur site ouvert. Et voilà, au bout d'un moment on finira par s'en débarrasser. Le problème c'est qu'il faut s'y mettre. Alors si vous me croyez pas, je vais vous sortir un screenshot parce que j'imagine bien qu'il y a des personnes qui pensent que c'est pas possible. Alors moi-même j'en ai vendu un, parce que je dis moi, mais il y en a plein d'autres qui ont vendu. Et plein de glims à 25 millions, des bombes à 25 millions, des compos random en un seul exemplaire à 25 millions. Il y a plein de gens comme ça qui ont réussi. Et je vais vous montrer donc un screenshot, en espérant que je tombe dessus assez rapidement. Donc c'est un screenshot de l'hôtel des vents. Le problème c'est que je screenshot énormément de choses dans le jeu. Donc ça, non, c'est pas celui-là. Oh, attendez, au pire. On va faire ça. Je peux tourner comme ça? Non, je peux pas. Ok, bon, on va faire voir le dossier. Et je vais vous chercher le screenshot. Ça va prendre un petit peu de temps, désolé, j'aurais dû prévoir ça à l'avance. Je me suis rendu compte tout à l'heure en fait qu'il faudrait que je montre un screenshot pour que les gens me croient. Mais je vais vous montrer ça, il n'y a aucun problème. Le trouverai. Screenshot qui commence à dater un petit peu, parce que j'étais pas 800 mastery. Ok. Les MP en plus c'est chiant parce que du coup je suis pas en train d'y répondre. J'ai l'impression que ce screenshot il y a trop. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon screenshot? Attends.
Au pire, il y a plus simple, je vais regarder sur mon profil parce que je l'ai upload, hein, le screenshot. On va regarder ensemble. Alors, là vous voyez pas, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Je vérifie parce que j'ai vu. Ah, là c'est que là, donc ça va. Devant est pas loin. Hein, mais... Donc ça c'est mon dernier des deux. Je suis pas loin. Je suis pas loin du screenshot. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, je le vois plus. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est pas celui-là. Celui-là il est récent. Celui-là c'est le giveaway de Ganda. Ça c'est quoi? Une vente de combien ça? 4 millions, d'accord. Je veux vraiment chauffer le screenshot que j'avais fait pour les 25 millions. Ah! Parfait. Pour vous montrer que je vous mens absolument pas. Donc ce screenshot commence à dater un petit peu. Mais vous voyez. Alors, je n'ai pas marqué là. Il y a un screenshot où je le marque, j'ai pas fait la bombe. C'est moi. J'ai vendu cette bombe à 25 millions. J'ai vendu cette bombe à 25 millions pendant un mardi. Pendant que je faisais du T5. Vous voyez, c'est marqué, vous venez de vendre une bombe à 25 millions. C'est vraiment pile poil marqué à ce moment-là. C'est possible. Ça arrive. Alors attention, ça c'est rare. Mais par contre. Si vous faites ça, et potentiellement vous avez une chance de faire énormément de flux, et aussi vous pouvez contrer les bots. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre. Parce que déjà, on a beaucoup moins de développeurs qu'avant. De deux, il y a beaucoup moins de contenu qu'avant. De trois, les gens, ils se barrent. De quatre, la commu, elle commence à être. Enfin, elle est de moins en moins toxique vu qu'elle est réelle et revenue. Mais elle est quand même sacrément toxique. Manière générale. De 5, on n'a pas d'anti-cheat, on a rien. On n'a que du report manuel qui est extrêmement mauvais, ça fonctionne mal. C'est pas du tout efficace, ils bannent pas, ils ont peur de ban. Il n'y a pas assez de modération. De 2, il n'y a pas assez, comme j'ai dit, de modération, que ce soit français, anglais ou quoi. Il n'y a pas assez de GM, pas assez de CM. Donc au bout d'un moment, il faut faire quelque chose, il faut les aider parce que certes, ils foutent pas grand-chose pour nous. Mais si on s'y met tous au bout d'un moment, au bout d'un moment, enfin, faut s'y mettre. On va y arriver, mais faut y aller. Donc bref, c'était la petite vidéo coup de gueule. Mais soyez courageux et vraiment mettez un putain de glim à 25 millions ou je sais pas, n'importe quel propos, 24 millions, 24 millions comme vous voulez, 25 millions, 24, tout ce que vous voulez, mais mettez une compo à un prix, s'il vous plaît. Vous n'avez pas idée de à quel point ça déglingue les sites. Bref, c'était tout ce que j'avais à dire. Salut à tous et merci.